À la une de cette édition, le Politburo du Comité du Parti communiste s'est réuni ce vendredi pour discuter du 14e plan quinquennal du pays. Le président Xi Jinping a présidé la réunion, au cours de laquelle il a hautement apprécié des réalisations du 13e plan quinquennal, malgré les incertitudes liées à la pandémie. Lors de cette réunion, a été soulignée l'importance de la prévention et du contrôle des épidémies pour atteindre les objectifs de développement économique et social de cette année, ainsi que pour maintenir la continuité, la stabilité et la durabilité des politiques macroéconomiques. Le président chinois a également appelé à une politique budgétaire plus proactive, ainsi qu'à une politique monétaire précise et flexible. En ce qui concerne l'emploi, le président a souligné que le pays devrait continuer à accorder une haute priorité à l'emploi et a souligné l'importance de l'innovation pour promouvoir un développement de l'économie réelle de haute qualité. Xi Jinping a également appelé à la pleine mise en œuvre de la revitalisation rurale, à la prévention de la pollution et au renforcement de constructions respectueuses à l'environnement afin d'améliorer les moyens de subsistance d'un plus grand nombre de personnes.